Alors, oui, bonjour. Je m'appelle Clitorine Benkens. Je suis journaliste à la RTBF et aujourd'hui, je suis venu interviewer Remco Evenepoel. Alors, Remco, tout de suite, une question pertinente. C'est quoi ce prénom ridicule? Ah, ya, bonjour. Ah, et t'as vu comment tu t'appelles, toi? Répète une fois. Clitorine Benkens. Tu te fous de ma gueule en posant des questions pareilles. Dis, c'est comme si moi je te demandais si t'étais vaginale ou clitoridienne. Allez, pose des questions intelligentes, s'il te plaît. Nouvelle question. C'est quoi tous ces billets de 100 euros que vous avez sur le dos, monsieur Remco? Oui, voilà, je vous écoute. Ah, ouais, les billets là, 100 euros. Oui, non, je vais à Monaco, mais je fais le course pour les familles, hein. Ouais, le course, la course. Excusez, papa, faut aller financer, hein. Voilà. Une autre question. Alors, Remco, dites-moi, le fruit que vous préférez et le fruit que vous détestez. Ah, ya, les fruits, j'adore. Le fruit préféré, c'est la grenade. J'adore ça. Surtout, je mange sur le vélo dans le peloton et puis, boum, lui, il explose. Enfin, la grenade. Ça, c'est certain. J'aimerais connaître, Remco, ta boisson préférée. Ah, ok. Ma boisson préférée, c'est un mélange 5 centilitres de grenadine, 10 centilitres de limonade. 2 centilitres de bière. J'ai réfléchi, je crois que ça s'appelle le Monaco. Allez, une autre question, Fifi. Hein. Est-ce que je peux maintenant connaître votre idole au cyclisme? Merci. Mon idole préférée, évidemment, c'est le Cannibal, évidemment, Eddy Merckx, super champion. Hein. C'est mon idole. Hein. Et parce que la majorité des gens, ben, ils ont 32 dents, puis moi, je vais devenir comme lui, hein, grand cannibale, parce qu'avec 58 dents, je vais en manger, moi, hein, des petits cyclistes. Hein. Ah, allez, une autre question. Alors, ici, une question un peu bizarre pour vous, Remco. Est-ce que vous avez des panneaux de signalisation routière que vous détestez ou que vous adorez? Nous vous écoutons. Alors, oui, mes panneaux de signalisation préférés, ben, j'en ai qu'un. C'est le feu vert. Oui, pourquoi? Ben, Patrick Le Feu Vert, c'est mon coach, c'est mon directeur, évidemment. Alors, les panneaux de signalisation nébuleux, j'ai horreur. Ben, le 30, le 50 et le 70. Ben ouais, en agglomération, à chaque fois, je suis flashé. Hein, et je paye mes prunes, je vous l'ai dit tantôt. Allez, pose ton autre question. Alors, Remco, quel est ton fromage préféré? Merci. Mon fromage préféré, le bleu d'Écosse. Ouais, c'est bleu à l'extérieur, comme moi. Et puis, à l'intérieur, quand vous mangez, c'est comme moi. C'est très piquant, surtout pour le reste du peloton. Allez, continue ton questionnaire là. Allez. Merci, Remco, pour cette interview. Et félicitations encore pour ce titre de champion d'Europe. Je crois que vous allez devenir la vedette en Belgique. Merci. Ah, ya, merci, vous êtes gentil pour mon titre champion d'Europe. Ya, je le dédie à un super champion, Björk Lambrecht. Au ciel, mon ami, tu seras toujours un champion. Ya. Au plaisir, les amis, sur les courses. À bientôt.